Avant de commencer la vidéo, je souhaitais quand même à vous souhaiter une très bonne année 2023. Je vous souhaite le meilleur pour cette année, que ce soit dans tous vos projets, mais surtout pour la santé, que vous ayez la meilleure santé possible et que vous réussissiez à obtenir tout ce que vous voulez en cette année 2023 et que vous atteigniez tous les objectifs dont vous vous êtes fixé pour cette année 2023. Encore merci à tous pour votre soutien. Vous êtes de plus en plus chaque année à me rejoindre, de plus en plus à partager mon contenu. Et forcément, bah, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Au plus vous partagez, au plus la communauté grandit, et au plus la communauté grandit, au plus vous êtes nombreux à partager mon contenu. Donc voilà, vous êtes quasiment 2000 sur Twitter à me suivre, vous êtes quasiment 1300 sur Instagram et quasiment 600 sur Facebook. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux parce que c'est extrêmement important. Et ça aide énormément, hein. La preuve, la chaîne continue de grandir et surtout grâce aux réseaux sociaux puisque vous êtes nombreux à partager, à liker ou à retweeter. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour faire grandir cette chaîne et j'espère quant à moi être encore assez bon cette année pour vous divertir et pour vous informer le mieux possible autour de Rockstar Games et de GTA et ainsi de GTA Online. Et on reparlera prochainement de GTA 6 puisque... Vous voyez, je sens que en ce début d'année, il pourrait se passer quelque chose autour de GTA 6. Une première annonce, peut-être une première image, mais on en reparlera dans une vidéo où je vous détaillerai ça rapidement et pourquoi je veux vous en parler, bien évidemment. Allez, on est parti pour la vidéo. Encore merci à tous et bon visionnage. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation custom et test en avant-première d'un des futurs véhicules du DLC Drug Wars qui arrivera sur GTA Online prochainement. Et donc avant toute chose, il y a déjà deux vidéos de ce type qui sont disponibles sur la chaîne. Vous avez la vidéo pour la Tundra Panther, voilà, donc la petite Alpina 110 qui est disponible en vidéo présentation custom et test. Donc si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Il y a une playlist pour ces véhicules de toute manière. Et vous avez aussi la présentation du Karine Hotring Everon que j'ai faite il y a une semaine à peu près. Donc si jamais ça vous intéresse, la vidéo sera aussi dans la description. Allez, on passe aujourd'hui à la petite Wenny Issy Rally. Donc ce véhicule sera à vendre chez SouternSanAndreasSuperAuto.com à un prix de 1 835 000 GTA dollars. C'est donc... une mini Countryman qui est vraiment super bien réalisée et vraiment très très jolie. Je trouve qu'elle est vraiment bien bien faite et elle a une belle belle allure quoi. Donc bien évidemment ce véhicule est un SUV, ce n'est pas une 4 roues motrices, enfin ce n'est pas un 4x4, il n'est pas dans la, si vous voulez, elle n'est pas dans la catégorie, on va y arriver, des tout terrains, ni dans la catégorie des sportives ou encore moins des compacts. Alors bien évidemment c'est un véhicule qu'il ne faut pas confondre avec la Wenny Issy Sport qui est ici. C'est un autre modèle, vous voyez, en plus c'est une 2 portes. Et là on est sur un modèle 4 portes. A voir après en termes de custom ce que ça va donner pour la rallye. Mais voilà, faut pas confondre avec ce modèle-ci qu'on avait depuis un petit moment maintenant sur GTA Online et que je trouve beaucoup moins joli d'ailleurs au passage. Vraiment, là, il a vraiment plus de gueule ce Wenny Issy Rally, quoi. En tout cas, je sais que beaucoup attendent ce véhicule. Beaucoup ont apprécié quand je l'ai présenté dans la vidéo où je vous montrais un peu tous les véhicules et je l'ai testé. Et il y a eu beaucoup de retours autour de ce véhicule et beaucoup l'attendent, donc voilà. C'est le moment de la présenter. En plus, ses jantes d'origine sont vraiment super bien choisies. Elles sont très jolies, je trouve. Limite, on n'a pas envie de les changer. Ouais, franchement, elles sont pas mal. Elles sont pas mal du tout. Donc, ensuite, on va les regarder un petit peu à l'intérieur. Donc, on va commencer par le moteur. Donc, ça, c'est le même modèle, hein, bien évidemment, avec une autre couleur. Vous voyez que d'ailleurs, alors, c'est peut-être... non, j'allais dire les étriers de frein. Peut-être qu'on va pouvoir les changer de couleur, mais non. Enfin, on va voir après, mais... Donc, sous le capot. Eh ben, bon, c'est pas la folie. Voilà. Autant, c'est plutôt bien terminé sur le contour. Et encore... Mais après, niveau moteur, c'est dégueulasse. À part le cache moteur en haut, qui est par-dessus le moteur, voilà, la limite, qui est plutôt bien détaillé. Mais sinon, le reste, vous voyez, c'est des images. Même la batterie, elle a pas vraiment de volume. Voilà. C'est pas ouf. C'est dommage de... Dommage, franchement, c'est dommage de pas avoir fait d'effort sur ce genre de véhicule. Encore une fois. Donc, avec deux anti-brouillards à l'avant, une petite lamelle de pare-choc en carbone d'origine. Donc ces jantes alu qui doivent être au moins du... Ouais, ça doit être au moins du 20 pouces, je pense. Hein. C'est vrai, elles sont vraiment grosses. Hein. Elles sont vraiment grosses. Ensuite,
Donc l'intérieur du véhicule avec écoutez, un intérieur plutôt classique et plutôt dans le style. J'ai pas fait bien gaffe à quoi ressemble l'intérieur du véhicule IRL. J'irai voir sans doute après la vidéo. Peut-être que je vous mettrai même des morceaux de la version rallye hein, de ce véhicule. Donc voir un petit peu comment on va pouvoir modifier l'intérieur d'ailleurs du coup, vu que c'est une version rallye de base. Mais bon, l'intérieur, voilà, il est plutôt bien réussi, bien dans les. Dans le style du véhicule, moderne et soft à la fois, comme la voiture, quoi. Donc, franchement, ça va. C'est plutôt pas mal comme intérieur. Alors, bien évidemment, après, en termes de finition, on préférerait que ça soit encore mieux, mais c'est déjà pas mal. Après, on a l'arrière, merci. Donc, l'arrière, donc c'est une 4 places, hein, bien évidemment. Avec, là, pareil, petite finition de panneau de porte, l'haut-parleur, les boutons qui sont un peu plus. Ouais, c'est une image mélangée avec quelques éléments en 3D, on va dire, mais bon, voilà, c'est pas la folie non plus en termes de finition. Donc ensuite, on a le coffre, où il n'y a pas énormément de place quand même, je trouve. Mais bon, ça va, il y a de quoi faire, quoi. Bien évidemment, double sortie à l'arrière d'origine, avec, il me semble, un petit diffuseur soft, mais d'origine aussi. Des petites ouvertures sur les pare-chocs. Sur le pare-choc arrière, des petites prises d'air en fait là. Voilà. Ensuite, on va passer côté chauffeur et donc voilà avec un compteur à aiguille, volant soft. Voilà, non, franchement, c'est l'intérieur, ça va, franchement. L'intérieur, ça va. On aurait pu avoir pire. Et je trouve que dans le style du véhicule, ça correspond bien. La console de bord correspond bien aussi au véhicule, donc voilà. Franchement, c'est pas mal. Voilà les amis, on a fait le tour de ce Winnie ici Rally. Et on va maintenant aller l'essayer et puis la customiser. C'est parti. Alors, c'est vrai que les bruits ne changent pas souvent. Hein, c'est un truc que vous reprochez énormément à chaque sortie de DLC, je le vois. Et c'est vrai que moi, en termes de design sound. Ils n'ont pas beaucoup apporté de nouveautés. Mais c'est vrai que par contre au démarrage, il y a des véhicules qui ont souvent un bruit différent de ce qu'on a déjà entendu. Et, réécouter là au démarrage, c'est quand même vraiment stylé. Voilà, donc le bruit au démarrage est sympa quoi. Après bon bah on connaît le bruit après hein, quand on fait tourner un peu, qu'on monte dans les tours en accélérant. Mais au démarrage, le bruit est sympa. Au ralenti aussi. Allez, on passe à la customisation de ce Winnie ici Rally. Donc blindage à fond, frein de course, pare-choc avant. Ok. Donc de rue, de course et rallye. On va y mettre la version rallye, tant qu'à faire. Pare-choc arrière. Donc de rue, avec l'ouverture un peu plus dessinée. Ok, donc là ça rajoute un diffuseur. Mais la version rallye.
avec une ouverture qui est, voilà, qui est séparée en deux cette fois-ci. Et donc en version rallye avec le diffuseur. Alors on va mettre comme ça. Châssis. Ah ouais, d'accord, on a directement un kit. Ah oui, non, j'allais dire ça nous met un kit large. Non, mais en fait c'est carrément tout le contour qu'on peut changer de couleur. Ça c'est sympa. Ok, donc on peut le mettre en carbone. En couleur 2. Tuning. Tuning avec arceau. Ok. Intérieur de course. Ok. Course siège custom, ouais. Intérieur de compétition. Donc là, vous avez le volant qui change, hein, carrément. Voilà, vous voyez. Tac. Là, les portes sont fermées, du coup. Finition couleur 1. Finition carbone. Finition couleur 2. On va mettre un derrière course. Ensuite, moteur niveau 4. Alors ça, c'est un petit peu dommage parce que c'est soit vous mettez la finition à l'extérieur, soit la finition à l'intérieur, mais vous pouvez pas mettre les deux. Alors ça, c'est un petit peu con quand même. C'est un petit peu dommage, je trouve. Bon, bizarre. Ensuite, échappement, donc en chrome, en titane et rallye chromé. Ah bah c'est exactement les échappements qu'il y a sur la version rallye d'ailleurs. Alors je vais pas mettre cela parce que je suis pas... J'aime pas trop comme c'est. Mais on va mettre sur du chrome. Calandre custom. Ok, donc avec échangeur à l'air. Échangeur avec jet d'eau. Petit logo, gros logo. Double ventilation. On va pas mettre comme ça. Capot épuré en carbone, de série en carbone, de rue plus optique, ok, course avec les optiques, ouais, capot de rallye, ok, klaxon on s'en fout, éclairage, bon on va mettre les phares, hop. Kit néon, on verra peut-être après. Motif, on verra après. Rétroviseur, couleur 2. Carbone. Rétroviseur de rue. Rétroviseur de rallye. Je vais mettre en carbone. Plaque. Tac. Peinture. Couleur principale. On verra après. Alors, le toit. En carbone, prise d'air sur le toit. Prise d'air sur le toit plus une antenne. Toit, prise d'air de course. Course plus antenne. Prise d'air rallye. Rallye plus antenne. Coffre de toit. Ok, ouais, ça je suis pas fan. Planche de surf. D'accord. Ouais, on va partir sur celui-ci. Bas de caisse. En plastique avec les garde-boue qui viennent se rajouter derrière les roues, vous voyez, tac. Bas de caisse alternatif. Bas de caisse alternatif avec les garde-boue. Bas de caisse alternatif, aileron alternatif. Ah oui, d'accord, oui, ça met un autre type d'autres types d'ailes en fait. Ouais, on va le mettre comme ça. Allez hop. Aileron retiré. Petit aileron de coffre. Grand aileron de coffre, ok. Aileron de coffre découpé, ils sont sympas. Aileron de coffre de rue. Aileron de rallye, ah ouais. Ok. Aileron de rallye Wenny, pas mal. Aileron de rallye sur terre.
Il est un peu space celui-là. Aileron de coffre monté, ouais. Aileron de châssis imposant. Ouais, dommage qu'il n'y a pas les petits trucs avec. Aileron imposant large. Aileron de châssis. Ouais, non, bon, écoutez, on va partir sur un truc plutôt simple de rallye, je trouve. Le Wenny est vraiment sympa. Ouais, on va partir sur le Wenny. Allez, hop. Pare-soleil, plastique. Couleur 1, foucard noir, foucard blanc. Mid-match noir, blanc. Mais en vrai, ça va dépendre de la couleur de la bagnole aussi, quoi. Suspension. Donc là, vous pouvez la rabaisser de rue. Sport, compétition, voilà. Alors honnêtement, pour si c'est une voiture de rallye, au pire des cas, vous pouvez la rabaisser un peu, mais pas trop non plus, quoi. Après, ça dépend de ce que vous voulez faire comme style, hein, aussi. Hein. Pas forcément faire une voiture de rallye. Turbo avec. Type de roue. On verra après. Vitre. Je vais juste les... On va les fumer un peu comme ça. Voilà. Tac. Alors il reste plus que le motif et la couleur. Donc on a les bandes blanches. Classique. On a les mêmes mais en noir du coup. Ouais. Drapeau Wenny à damier. Ouais, ça fait pas mal rallye ça. Liste de course Koi. En métal, ouais, pas ouf. Liste de course patriotique, donc ça c'est avec le drapeau anglais du coup. Bizarre qu'il soit en blanc du coup. Dommage. Ensuite on a le Cherenkov. J'espère qu'il va en avoir des mieux parce qu'ils ont pas l'air très inspirés quand même. Ah voilà, celui-là il est un peu plus sympa. Ok. Wenny alternatif en vert. Ouais. Stance Andreas. Ok. Et le dernier, Ragarum. Bah, ils sont pas foulés sur les motifs. Je suis déçu. Je suis déçu des motifs en vrai. Allez, on va faire comme ça. Couleur secondaire, c'est quoi du coup? Ah, c'est les... On peut les faire blanches du coup. Blanche ou noire. Je pense qu'il y a que ça de toute façon. Ah oui, il y a les coutures aussi. Faire comme ça, ouais. Ouais, on compte sur les carbone solar. Ah ouais, le contour, c'est soit on le fait en bleu. Soit en blanc. Ouais, on va le faire en blanc. Tac. Apparence des pneus. Okay. Voilà les amis pour la custom de la Wenny ici Rally. Bah écoutez, elle est plutôt sympa hein, une fois customisée. Après je trouve qu'ils ont pas assez poussé en termes de motifs pour un véhicule de rallye. Je m'attendais à des motifs beaucoup plus stylés et bien plus travaillés.
C'est un petit peu dommage parce qu'on est un petit peu limité du coup en motif pour en faire une vraie voiture de rallye. C'est ouais, je suis un petit peu deg pour ça. En termes de pièces, il n'y a pas énormément de choix non plus, je trouve. C'est un petit peu dommage. Après, on peut la faire de différents styles. Vous pouvez la faire vraiment pure urbaine. Vous pouvez la faire un peu moins rallye, plus customisée, tuning quoi. Après ça, c'est à vous de voir ce que vous voudrez en faire. Moi, je l'ai fait rallye parce que bon, c'est une marque, c'est le nom de la voiture. Et j'avais envie de faire un petit truc rallye sympa avec l'aileron en plus qui je trouve est plutôt sympa pour le coup. Mais voilà, il y a un petit brin, il y a un brin de déception en fait. Il manque un petit truc. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz en commentaire. Allez, on va essayer la voiture. Allez, on va la tester en vitesse de pointe un peu et après on ira à un autre endroit pour tester un peu la version rallye quoi. Voir si vraiment elle est rallye, si elle tient bien la route et tout quoi. Allez, on est parti. Un endroit que vous connaissez bien pour ceux qui regardaient mes tests de véhicules à l'époque. Allez, c'est parti. Ah, elle pousse, hein. Longue à l'accélération quand même. On doit taper les 125-130 mph. Dommage, la piste est pas assez longue. Ouais, je pense qu'on doit pas être long. 125 mph. Elle a pas une accélération folle, mais elle a une vitesse de pointe plutôt raisonnable pour un SUV. Après, elle est lourde hein, quand même. Ça doit être une mini, elle est quand même lourde. Mais plutôt maniable. Allez, on va la tester sur le tout terrain pour voir maintenant. Voilà. Elle a un angle de braquage qui est vraiment faible hein, par contre, je trouve. Il est vraiment limite. Pour monter, c'est là du couple, une bonne reprise, ouais ça va, hein. On sort bien, mais ouais elle a un angle de braquage qui est vraiment limite, c'est dommage, il est pas ouf du tout, vous voyez, le temps que je mets pour tourner, si vous voulez y aller c'est au frein à main quoi pour prendre les virages. Voilà les amis, c'est la fin de cette présentation de la Winnie ici Rally. Présentation custom et test, bien évidemment. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. À lâcher le pouce du soutien. Et puis ouais, à dire si vous êtes hype ou pas par ce véhicule. Si vous avez hâte de l'avoir sur GTA Online ou non. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo, ça peut extrêmement aider la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et puis moi, je vous dis à très vite sur TGS Rockstar Club. Ciao !